Salut, c'est Van Locke pour Hashtag Studio 3. Un groupe de post-rock dijonnais qui s'est formé en 2020. Je dirais cinéma, lourd et ambiant. Le lien entre le cinéma et notre musique, c'est qu'on, à défaut d'avoir quelqu'un qui chante dans le groupe, on utilise des répliques de films qu'on sample pour mettre par-dessus la musique qu'on compose. Pour moi, ça illustre un petit peu ce que je ressens quand j'entends ces répliques et ce que m'inspire un petit peu les mots que j'entends à ce moment-là. Quand j'écris de la musique et que je ne sais pas à quoi elle est destinée, ce qui était un petit peu le cas pour ce projet au début, je nomme les démos avec des noms un peu rigolos ou des trucs qui me plaisent. Et là, c'était en référence au commissaire Van Locke, qui est un personnage des Robin des Bois, joué par Pierre-François Martin Laval et qui me faisait beaucoup rire quand j'étais petit. Avant d'être un groupe, c'était juste moi, en 2020, pendant le premier confinement. J'ai décidé de faire un petit peu du tri dans plein de choses que j'avais déjà enregistrées et essayer de concrétiser, de finaliser un petit peu tout ça. Donc j'ai enregistré le premier EP tout seul. C'est Robin qui est à la basse qui s'est occupé de faire le son, le mix et le master. Et quelques mois, voire une bonne année après, après avoir eu des retours un peu positifs, moi j'étais assez satisfait de ce que c'était. On s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de concrétiser un peu plus tout ça, peut-être en faisant des concerts et en composant à plusieurs. Donc Robin a gentiment accepté de prendre la basse dans le projet. Et il a lui-même demandé à Rémi, qui a aussi accepté de devenir notre batteur. On a samplé des répliques du film A Ghost Story de David Lowery, qui est un film assez ambiant qui parle entre autres du passage du temps à travers le deuil du personnage principal. La partie qu'on a samplée, c'est un gros monologue qu'il y a en milieu de film qui parle de l'art à travers le temps et le rapport qu'on a à ça en tant qu'humain. Et ça me parlait beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré pour écrire de la musique. Start breaking down because your kids.
Avec Robin, on a déjà fait de la musique ensemble dans d'autres projets, et on fait d'ailleurs encore de la musique ensemble dans d'autres projets. Ça a été plus ou moins le cas avec Rémi aussi avant. On fait tous plusieurs choses à côté, mais on se retrouve bien tous dans ce projet-là. Le côté trio nous plaît bien, me plaît bien, et j'ai l'impression qu'on y trouve un petit peu tous notre compte. Alors, les influences, le groupe principal... Je dirais que c'est un groupe qui s'appelle Russian Circles, qui, contrairement à ce que son nom indique, est un groupe américain de post-rock, post-metal, un trio instrumental aussi, qui a une approche assez directe, presque primitive de la musique. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans ce qu'ils font. On dirait qu'ils mettent un petit peu la technique et la production de côté pour vraiment se concentrer sur l'émotion que leur musique va procurer à l'auditeur. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup et dont je m'inspire beaucoup. La musique, c'est un moyen de s'exprimer. La musique, c'est mon métier. c'est un moyen d'exploiter énormément d'émotions et d'envies qu'on a sous énormément de formes différentes. C'est assez infini et c'est assez plutôt agréable. C'est pas forcément un compliment verbalisé, mais quelque chose que je prends comme un gros compliment, c'est dans les concerts, quand je vois les gens fermer les yeux et mettre un petit peu la tête en arrière, comme ça. Étant donné qu'on a un côté un petit peu planant, on essaye d'emmener l'auditeur quelque part, de les voir un peu se laisser aller comme ça, pour moi, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose, quoi. Alors, Boarded Up, c'est un morceau du premier EP, qui a été composé donc dans le contexte du Covid et d'un confinement. Et ça me faisait un petit peu sourire parce que c'est un film de pandémie suggérée, on va dire, et le parallèle qui s'arrête à peu près là me faisait sourire à ce moment-là. Et c'est aussi un film que j'aime, donc ça vient d'un film qui s'appelle It Comes at Night, qui est un film qui me plaît, et voilà, le parallèle, je le trouvais assez intéressant.